laissez-moi ces Zelfus pour la suite de Pokémon Épée. On part direct dans l'aventure. Donc là, on a rencontré deux mecs chelous là, avec une coupe épée et une coupe bouclier. Qu'on voulait récupérer des boucliers rouillés et l'épée rouillée. Qui se sont enfuis, qui nous ont déclaré la guerre officiellement. Donc là, on doit essayer de chercher Nabil. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement rejoindre Sonia au laboratoire pour voir de quoi il en retourne. Donc le laboratoire, il me semble que c'est en bas. On va y aller rush direct. Parce que ces deux mecs étaient plutôt étranges. Ah, nous y voilà. On arrive au laboratoire. Ah, j'ai pas soigné mon Pokémon, mince. Tiens, professeur Sonia, vous avez de la visite. Salut Zelfus. Ah voilà, c'est bon. C'est qui? Tu as une assistante? C'est... Ouais, d'habitude, il n'y a personne ici. Bien vu. Je suis super occupé en fait avec toutes mes recherches, donc j'ai besoin d'aide. Ah, nice. J'ai récupéré toutes les étoiles vues rassemblées par chez Rose. Elles sont maintenant ici au labo. Et c'est mon assistante qui s'occupe de tout. Classée, elle est super efficace. J'ai bien contente de pouvoir compter sur elle. Mais non, vous me flattez. Voici donc notre nouveau maître, Zelfus. Enchanté, c'est un véritable honneur. Viens voir, j'ai un truc à te montrer. Stylé, stylé, elle a une assistante et tout. Ça progresse. Tu te souviens de mon détecteur de source d'énergie pour repérer les coins à Dynamax? C'est pas sorcier, il détecte les endroits où il y a de fortes concentrations de Galarion. Ok. Et tu sais quoi? Tout à l'heure, quand Jean Machin et Jean Truc étaient là, le détecteur s'est affolé. Et donc? Eh bien, tu peux les retrouver en suivant à la trace grâce au Galarion. Ok. Leurs noms sont tellement absurdes, je refuse de m'encombrer le cerveau avec ça. Ce sera les clowns et basta. Bref, j'ai placé les détecteurs des sources d'énergie un peu partout dans Galar et là. Activation. Putain, c'est une cinglée. Et là. Et là quoi? Ah! Un point d'exclamation ici. Mais c'est l'arène de Greenbury ça! On va retourner à l'arène de Greenbury? Ok. Ouah, je m'attendais pas à ça. Regarde ce pic, ça vient du stade de Greenbury. Bon, tu me diras, qui dit stack de Greenbury dit Dynamax, donc c'est normal, j'ai trouvé des Galarions. Mais un pic de cette emblée, il y a quelque chose qui cloche. Ok. Est-ce que ce serait Eternatus? Non, tu l'as capturé. Ouais, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est forcément les deux clowns. Bref, je crois que c'est une mission pour le nouveau maître de Galar. Ah, stylé! J'ai mis ta carte à jour pour que les pics de Galarion soient affichés, jette-y un œil. Cool. Donc là, normalement, si je regarde la carte... On a un pic de Galarion au stade de Greenbury. Ok, bon, on va devoir se rendre là-bas, hein, tout simplement. Par contre, je vais aller soigner mon équipe, là, parce que c'est un peu critique, hein, de mémoire. Ouais, voilà. Ils sont tous, la moitié est KO, limite. Donc, on va faire un petit tour au centre Pokémon. Et après, c'est parti. On part pour le stade de Greenbury. Allez, soigne. Bonsoir, maître! Voulez-vous que nous nous occupions de votre équipe? C'est important de se reposer après une dure journée, oui. Putain, le respect dont ils font preuve! Incroyable! C'est stylé. Ah, c'est nice. Notre équipe full team au complet. Merci d'avoir attendu, votre équipe a retrouvé la santé. A bientôt! Au fait, j'ai une information qui pourrait vous intéresser. Il paraît qu'un Pokémon plutôt rare est apparu à la gare de Brosswick. Un Pokémon plutôt rare. À la gare de Brosswick. Ouais, ok. Merci pour l'info. Ok, donc ici on est déjà venu. Donc oui, moi il faut que j'aille à Greenbury. Donc il y a un Pokémon rare à Brosswick, mais ça on verra à la fin du jeu. Là j'ai envie de faire la mission. On va y aller direct. Notre équipe est soignée en plus. Donc c'est parfait. Retour à Greenbury. C'est énorme. Notre première arène, quoi, l'épisode 15-16, quoi. Ça date. Alors, on va mettre Corvallis en premier. Pour profiter du demi-tour. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le stade? Ok. Je suis maître, mais il change pas de dialogue, déjà. Wouah, c'est vide, là! Je vais même pas m'asseoir dans le canapé, j'ai une mission à faire. Eh, hey, y'a Peterson, j'avais même pas fait gaffe.
Tiens, t'es là, toi? Bien le bonjour, maître. Merci d'avoir fait le déplacement. La forme, quoi de neuf? Ah ouais, t'es relax, toi, comme maître. C'est pas comme si c'était la panique, ici. Je t'explique. J'étais en plein match amical avec notre ami Peterson, quand soudain un Pokémon Dynamax est apparu. Ne t'en fais pas, on a déjà lancé l'évacuation du public et du personnel. Voilà ça. Oh, sucre. Ça doit être un sucrène, ça. Ah, il est là, Nabil. J'ai fait évacuer tous les gradins nord, c'est bon. Le Pokémon est toujours en plein Dynamax, vous l'avez entendu crier, je pense. Merci beaucoup pour ton aide, Nabil, on peut toujours compter sur les challengers. Mais j'ai même pas dépassé le tournoi des médaillés. Oh, t'es là, Zelfus. J'ai coursé les deux mecs chelous jusque dans le stade. Mais quand je suis arrivé, j'ai entendu des hurlements venant des gradins, donc j'ai lâché les deux illuminés et je suis allé donner un coup de main. Du coup, désolé, je les ai perdus. Ah mince, tu as vu des individus bizarres, tu dis? Je me demande qui c'était, mais l'urgence immédiate c'est de t'occuper du Pokémon Dynamax. On peut te demander ton aide pour cette tâche délicate, maître? Bien sûr. Parfait, allons sur le terrain de combat dans ce cas. Je vais vous aider. Je sais bien que c'est pas de sa faute à ce pauvre Pokémon, mais n'empêche, ça m'énerve de m'être fait voler la vedette comme ça. Tu viens nous donner un coup de main, le petit frère de l'ex-maître? Lol, je sais pas si je vous serais vraiment utile. Oh, arrête, Nabil, c'est bon, viens avec nous, là. Je risque de vous gêner plus qu'autre chose. J'en sais rien, mec, tout ce que je peux te dire, c'est que Tarak n'hésiterait pas. Il serait déjà au combat, ou pas, vu qu'il serait perdu en route. Mais bref, ça ne ferait aucun doute pour lui. Tu viens? Ouais, ouais. Allez, allez, on y va. On va sauver le stade de Greenbury. Mais assez parlé, rejoignons-les. Ah, j'ai même pas le temps de dire ce qu'il a dit. C'est pas grave. Ah, cette musique, ça fait longtemps, hein. C'est un Pokémon Dynamax. Sucrène Dynamax. Ah, je l'ai pas ce Pokémon en plus. Ah, j'ai Corvaeus en premier, c'est vrai. Pression de Corvaeus. Et ben, on va Dynamaxer. On va Dynamaxer, on va faire Aeromax direct sur Sucrène. Allez, c'est parti. Il faut qu'on sauve le stade de Greenbury en tant que maître. C'est notre devoir. De précision. Nabil, une technique de type eau sur un type sucrène, un type plante, pardon. Alors que t'as demi-tour. Voyons. Pitomax. Ah bah ouais, ça sert à une shot. Hein. Donc oui, Nabil, force est de constater que tu gênes plus qu'autre chose, en fait. C'est triste. Aeromax. Oh, presque one shot. Dommage. Mais pas assez cher. J'augmente quoi, ma vitesse? Ok, nice. Danse, Darko. C'est quoi ce Pokémon? J'ai jamais vu. Dratatin. Pomme drapi, pardon. Aeromax. Allez, on recale un Aeromax. Force G. Lol. Exécution. Ah bah là il est mort, hein. Allez hop, on se débarrasse de Sucrène. Parfait. La mission est accomplie. On a sauvé le stade. Il faut retrouver les deux bouffons, en fait. Ah, je peux pas le capturer. Ah mince. Sucre. Utilise un rappel. Percy utilise un rappel. Ah, il a raise, ok. Bon, les choses ont l'air de s'être calmées. J'aime vraiment pas le Dynamax. Ce n'est pas le genre d'événement qui va te réconcilier avec mon pauvre. Mais tout de même, ça n'avait rien d'un Dynamax normal, vous ne trouvez pas? Ouais, il n'y avait pas le moindre dresseur en vue et Sucrène n'avait pas l'air maître de ses actions. Bien vu, Nabil. En effet, c'est normalement en réponse à un poignet Dynamax qu'un Pokémon se transforme. C'est vrai. Là, il y avait comme des interférences au niveau de l'harmonie entre nous et nos Pokémon. Ouais. Ça t'a fait cette impression aussi, Zelfus? Oui, allez. Oui. Donc on est tous d'accord. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de dresseur en vue, c'est bien mystérieux tout ça. Le personnage du stade va recueillir et soigner ce Pokémon, ne vous en faites pas.
Merci à tous, heureusement que vous étiez là. Et surtout Zelfus, n'hésite pas si tu as besoin d'un coup de main un jour. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, ce sera avec joie. Ah, c'est cool Percy, merci. Vous avez obtenu une version rare de la carte de ligue de Percy. Vous la rangez dans votre album de cartes de ligue. Waouh, ça fait longtemps ça les cartes de ligue. Allez viens Sucrène, suis-moi. Percy nous a donné une carte rare. Eh bien c'est déjà fini du Dynamax, ce fut bref. J'ajouterai même que ce fut succinct. Je crois que nous avons le maître à remercier pour cette interruption intempestive. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Les deux bolos, je savais bien que vous étiez dans le coin. Rendez-nous le bouclier rouillé en vitesse. Pardon, mais cela ne nous appartient point que je sache. Que je sache. Quand bien même ce serait à vous, ne dit-on pas voler c'est voler, rendre c'est capituler. Vous commencez à me gonfler tous les deux, ramenez-vous, qu'on s'explique. D'où ils sortent, eux? Je croyais que les spectateurs et le personnel avaient été évacués. Comme si nous allions nous plier aux règles appliquées au commun des mortels. Et oui, nous sommes des célébrités, nous avions droit au traitement VIP. Ok, c'est quoi leur délire? Ah, ils sont vraiment chelous. Mais qui êtes-vous, le gueux? Votre coupe de cheveux est un affront visuel. Oh, le bâtard! J'ajouterais même que mon aîné, que ce noir et blanc, c'est extrêmement basique. Vous voyez vraiment ce que vous avez des leçons à me donner en matière de style? Genre, je vais vous écouter la bave de l'artiriste n'atteint pas le noble dresseur, loser. Lol. Là, ça clash de ouf. C'est vrai, c'est un clash pourri, mais... Je crois que notre petite expérience a bien fonctionné, mon puigné. Mon puigné. J'ajouterais même que c'est un succès. Tentons avec un Pokémon plus fort la prochaine fois. Ah, il faut recommencer. Oui, et nous révélerons la véritable nature de Zacian et Zamazenta. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec cette histoire? Ah, il m'énerve, je pige rien. Maître Oni, nous allons libérer une vague de Dynamax sur tout Galar. Vous pouvez toujours essayer de nous arrêter si ça vous chante, mais jamais vous ne rattraperez nos augustes postérieurs. Oh, la manière de parler, c'est horrible. J'ajouterai même nos augustes et célèbres postérieurs. Adieu la plèbe, après nous le déluge. Revenez ici tout de suite, c'est à cause de vous, tout ce cirque, vous allez me le payer. Lucam Nabil, reste ici et arrête d'hurler aussi, ça sert à rien. Mais il s'enfuit! Et si c'était un piège, hein? Réfléchis, petite tête. Il faut jamais se lancer tête baissée comme un mouflon, jamais. Mais... Ok, ok, t'as raison. Bien, donc on se calme, on respire et on réfléchit. Hurlu, berlu, et là, vu qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de nous raconter la moitié de leur plan, on sait ce qu'ils ont, qu'ils sont responsables du Dynamax de Sucrène, en effet, et qu'ils comptent bien continuer. En tant que maître, je ne me permettrai pas, comme si on allait laisser faire. En tant que maître, je ne le permettrai pas. Ouais, on verra plus tard le bouclier rouillé, Zelfus et Peterson, il faut rattraper les deux tocards. Ok, on y va. Ils sont où? Je veux bien les rattraper, mais ils sont où en fait les mecs? Ah, cinématique. Ah, te voilà Zelfus, c'est la cata. Vu le pic de Galarion est retombé à Grunbury, je pensais que tout était rentré dans l'ordre. Mais en fait non, les capteurs révèlent de nouveaux pics au stade de Skyford et de Motorby. D'ailleurs, c'était quoi le problème au stade de Grunbury? Dire exactement ce qui a fallu dramatiser au maximum. Je vais dire ce qui s'est passé. Quoi, un Pokémon Dynamax s'est déchaîné dans le stade? Putain, encore un coup des deux clowns là. Oh, ils sont relous. Sonia. Nabil Peterson, qu'est-ce que vous fichez ici? Surtout toi, Peterson, je te croyais à Smashing. Eh ben non, je ne suis plus champion d'arène. J'ai bien le droit d'aller où je veux. Lol. Mais attends, il y a d'autres Pokémon Dynamax qui se déchaînent. Oui, enfin, je crois. J'ai des relevés semblables à ceux que j'ai eus pour Grindbury. Quoi? Mais alors, Rosemary est en danger? Non, c'est bon. C'est juste à Skyford et à Motorby. Tout est calme à Smashing. Ah, ouf. On ne peut pas rester les bras croisés s'il y a des Pokémon Dynamax qui se déchaînent. Pas vrai, Zelfus? Oui, fonçons à ce stade. Voilà une réponse digne du maître de Galar. Je pense que je peux vous aider à traquer les deux clowns. Je vais farfouiller sur les réseaux sociaux histoire de voir si quelqu'un les a pas repérés. Bref. On laisse les recherches à Sonia, c'est bien ça. On va s'occuper de calmer le jeu dans les autres stades. Et bah c'est parti, on va calmer le jeu dans les autres stades. Let's go. Donc là, on a eu un Pokémon de type plante. Donc, est-ce que ça veut dire que les autres Pokémon Dynamax à Motorby et à Skyforce seraient des Pokémon de type eau et feu? Bonne question. Si c'est type eau, il faut que je mette mon Gorythmic en premier dans l'équipe. Histoire que je perde pas un tour. Parce que le Dynamax, en fait, le truc c'est que stop. Je peux pas faire demi-tour en fait. Ah, ça me fait perdre un tour et le but c'est de finir le truc le plus vite possible. Donc on va pas perdre de temps. Donc il y a un pic ici là. On va revoir Donna certainement. Putain, on fait un petit comeback dans toutes les villes du jeu, c'est marrant.
Ah, Donna, elle a évacué tout le monde. Non, n'approchez pas, c'est dangereux. On sait, on vient t'aider. Les spectateurs et le personnel sont à l'abri, c'est bon? Oui, nous venons tout juste de terminer l'évacuation. Vous savez ce qui se passe alors? Et vous avez fait le déplacement pour aider tous ensemble, ça alors? Si on m'avait dit qu'un jour tu deviendrais social, Peterson, je n'aurais pas cru. Oh, ça va, hein? On veut t'aider. Désolé, je voulais pas paraître ingrate ou me moquer ou me retirer une épine du pied. Ce Pokémon Dynamax est redoutable, je ne suis pas convaincu d'être de taille. Ah oui, carrément. Je me demande c'est quoi. Toute aide est plus que bienvenue. Il n'y a pas de temps à perdre, nous avons des Pokémon Dynamax. Un Pokémon Dynamax à affronter. C'est parti, on y va. Léviator. Léviator. Une bonne surprise. Ah, il baisse l'attaque de tout le monde. Ça, c'est chiant, ouais. Allez, on va l'affronter. La puissance Dynamax entoure Zelfus. Allez, c'est parti. Dynamax. Bon, allez, on va mettre 130, on va essayer. Hein. Ça me fait toujours penser que j'ai toujours pas de Magikarp dans ce jeu en fait. Incroyable. Hydromax. Sur qui? Sur qui il fait ça? Targamore. Ouh! Donna, ton Pokémon là! Il a pris cher! Une attaque de type O sur un type O, Nabi. Bon allez, Hydromax. C'est pas super efficace. Ah mais c'est vrai, c'est vol O ça, c'est sa faiblesse c'est foudre. J'ai pas de Pokémon de type foudre. Dommage. Tom Roche. Ah c'est bien, Donna, nice. Ah j'aurais dû Dynamaxer Targamore du coup. Bon c'est pas grave. Je m'attendais pas à avoir un Léviator. Est-ce qu'on finit sur ce tour-là? Suspense. Ouh! Il a pris cher. Exécution. Voilà, nickel. Allez, on sauve le stade de Skyforge. Une bonne chose de faite. Il va nous rester plus que Motorby. Merci, grâce à vous, personne n'a été blessé, nous avons pu calmer le jeu. Je vais garder ce Pokémon ici et le soigner. Dis Zelfus, sache que si un jour tu as besoin de mon aide, je répondrai toujours présente. Ah, stylé, on a les cartes rares, là. Stylé, stylé, je les ai pas lues en plus, les cartes. On les lira à la fin, quand j'aurai fini à Motorby. Il ne reste plus qu'un stade à aller. Allez, on enchaîne. C'est le maître, waouh. Ah, c'est stylé, ça, par contre. Il y a des trucs qui changent, quand même. Non, pas le Pokédex. Qu'est-ce que je fais? Voyons. Carte. Voilà, Motorby, le dernier stade. Pokémon de type feu, donc il va falloir que je change mon premier. Pour bon, le coup, on va mettre Targamore, du coup, là. Qui va pouvoir faire ses preuves. Allez, on va au stade de Motorby. Putain, ça fait longtemps cette ville! Waouh, ça fait un bail! Hop là! Le stade est droit devant. Kabou. Oh! Il a déjà évacué tout le monde, Kabou. Maître, oh Nabil et Peterson sont là aussi. Bonjour Monsieur Kabou, vous vous souvenez de moi, c'est gentil. Mais non, c'est bien normal. Je me souviens de tous les challengers qui viennent me voir, et particulièrement ceux qui réussissent haut la main le défi des arènes. Ouais bon, vous voulez pas attendre que tout soit réglé pour vous jeter des fleurs? Il y a plusieurs gens. C'est vrai, vous ne devinerez jamais, mais en ce moment dans mon stade. Oui, on sait, un Pokémon Dynamax, blablabla. Justement, on vient aider. Incroyable, je dois dire que vous tombez à pic face à un adversaire aussi redoutable que lui. Il va nous falloir jouer collectif. En formation, compagnon. Nous avons un match à gagner. Oh là, c'est rapide là. Ça s'enchaîne, c'est cool. Moins de blabla.
Oh! Petit feu! Comme prévu. Parfait. On envoie Torgamor. Sécheresse de Chartan. Allez, les attaques eau sont moins efficaces du coup. Du coup, je vais faire une attaque de type. De type roche. Ah, on peut changer de Pokémon! Ah, ok. Type roche en Dynamax. Litomax. Allez, c'est parti. Trois combats Dynamax en un épisode, c'est stylé. Ouais, 67 mon Torgamor n'empêche. Ils ont bien pex. Hein. Ah là c'est bien habile. Allez, Litomax. Ouh. Oh, ça m'est cher. Ouah, la puissance de cette technique quand même. J'aime beaucoup l'animation de Litomax. Tempête de sable du coup, ouais. Exécution. Machouille. Ils ont baissé sa défense. Sismomax. Sur qui? Sur moi, forcément. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Il a dû répondre en Chartrand. Défense spéciale. Ok. Ah merde, ma tempête de sable touche tout le monde. Désolé, mes alliés. Mais bon, au moins ça l'a affaibli. Là on fait Hydromax. Aquabrèche ça tue là. Parfait. Bien joué Nabil là sur ce coup. Très bien, excellent. On a fini ça vite fait. Et voilà, on a fini. Nous avons évité le pire, excellent. Je vais prendre soin de ce pauvre Pokémon jusqu'à ce qu'il soit de nouveau sur pied. Zelfus, c'est toujours un plaisir de faire équipe avec toi. Si tu as besoin d'aide d'un joueur, n'hésite pas. Ah c'est stylé. C'est vraiment redevable les champions, c'est vraiment cool. On a reçu sa carte de ligue rare du coup. Je suppose que le devoir vous appelle. Je vous laisse filer, merci encore. Merci à toi Camou. Oh, Moti Drink. Téléphone qui sonne. Zephus, il y a de Moti Smart qui sonne. Eh ben écoutez, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. On va se retrouver dans l'épisode prochain pour la suite. On lira les cartes de ligue après justement avant de faire la suite. Mais là voilà, on est en plein événement, je me demande ce qui se passe. Avec mon mode smart qui sonne. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner en activant la cloche. Et moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Salut tout le monde et à la prochaine pour de nouvelles aventures.